Du compost. Je l'ai testé pour vous parce que du coup compost trop mignon, mais en fait quand on n'a pas de jardin à la maison, c'est pas pratique de faire du compost. Donc comme j'ai pas de jardin non plus, je l'ai commencé il y a un mois jour pour jour sur mon rebord de fenêtre pour voir ce que ça donnait. Ce qu'on arrivait à faire. On peut le faire tout simplement. Et oui, mais nous à Vitry on les avait pas. Ouais, mais pas à Vitry. On nous a donné des seaux. Alors c'était pour vous donner un peu l'idée. Ça c'est en un mois, c'est une consommation de une personne. Et comme ça n'allait pas assez vite à mon goût, je suis allée chercher quelques vers de terre chez les voisins. Mais franchement, en un mois, regardez, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai, c'est bien. Tu vois, c'est pas mal. Ça fait déjà ça là. Donc du coup, ça m'a plutôt confortée dans le franchement, j'ai vidé trois fois moins de poubelles. Ça m'a pris ça de place. Et comme ça se décompose au fur et à mesure, en fait, ça n'a jamais monté. C'est pas que c'est assez, c'est que ça se décompose, tu vois, comme les... Ça, ça prend de la place, mais comme le ver de terre, il va le décomposer. Ça, on met à la deux fin, temps, c'est ça. Tu oui, vois. Oui, maintenant, mais papier, oui, alors, oui. Ah, je le savais pas. Café, pareil. Le compost, vous allez avoir 1000 écoles différentes. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire surtout pas les agrumes, surtout pas les. Oui, c'est ça. Moi, je suis plutôt de l'école. Je ne mets pas les graines de courge parce qu'après, c'est ingérable quand elles prennent. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, d'accord. Sauf si vous vous mettez à manger 10 kilos de citron d'un coup ou à jeter tous vos papiers blancs de la pimente, ça ne marche pas. Mais sinon, les mouchoirs, ça va, les cheveux, ça va, les ongles, ça va. Pareil, il y a plein de gens qui sont pour ou contre les coquilles d'huîtres. Je trouve que c'est un problème de gens qui mangent des huîtres. Je n'ai pas les moyens d'en manger assez. Mais si vous en avez trois qui traînent, ce n'est pas grave, ça fait du calcaire. Mmh. Et s'il y a des choses qui mettent plus longtemps, pareil, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument tout couper en petits morceaux pour aider. Et d'autres qui disent, en fait, quand vous avez des morceaux un peu plus gros, c'est ça qui va faire aussi qu'il y a un peu d'air qui passe, que, que ça laisse un peu aérer. Donc en fait, encore une fois, soyons flemmards, ça se développe très bien. C'est une betterave, non? Ça, je pense que c'est une ex-pomme. Ex-pomme. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, je suis allée chercher, c'est donc aussi du compost, mais 6 mois plus tard, c'est chez les copains. Et là, il n'y a pas de terre, zéro terre. C'est que des déchets de, de la cuisine. Il y a un truc qui a germé. Mais c'est super. Je sais pas ce que c'est par contre. Voilà, donc c'est juste pour vous donner à quel point vraiment je l'ai acheté du terreau, c'est sans kikiner pour pas grand chose.